va, Saoson? Ça va, très bien. Alors, je te propose de te faire découvrir ma routine soin éclat de visage. Yalla, j'ai hâte. Ok, alors les filles, on va commencer par l'oxygène peel. Il s'appelle oxygène peel, ça va resurfacer, régénérer la peau. Ça va parfaire le démaquillage. On va tester, donc on met le petit coton par-dessus. On va appliquer tout doucement. On va enlever les impuretés sur la peau. Voilà. C'est doux, hein? C'est doux. Ça sent bon. On va passer à la crème NCTF Reverse. Ça va être une crème régénérante, hydratante. Ça va combler, si vous voulez, les rides, rafraîchir le teint. Elle est en fait à base d'acide hyaluronique. D'accord. Et du coup, on peut l'utiliser le matin, bien sûr, ça va agir sur la peau avant de mettre le maquillage ou autre. Et le soir, ça va vraiment régénérer la peau en profondeur. Donc là, je mets des petits tas un peu partout sur le visage. Ça sent super bon. Voilà. Sur le cou, faut pas oublier. Donc là, j'ai plus d'éclat. Ta peau est éclatante. Je sais pas si tu le vois. En tout cas, ça sent super bon. Ouais, ça sent bon. J'adore. Tu as sur la table Time Flash. Ouais, il est top. J'ai déjà eu l'occasion d'essayer, justement. Génial. C'est une base active lissante. En fait, elle vient pour parfaire le teint et le préparer pour le fond de teint. Tu vas voir un peu la texture. Ah, déjà... Ça a l'air plus fluide que la crème, un peu plus léger à appliquer. J'en mets surtout sur les joues, parce que c'est là où j'ai le plus d'imperfections. Sur le nez aussi, et la zone T, pour m'aider vraiment à garder le fond de teint. C'est un soin, c'est un traitement pour les cils et les sourcils. J'ai une petite astuce, comme ça je traite mes cils et mes sourcils. Et en même temps, je les prépare pour le maquillage. La première étape, c'est le côté sérum stimulant. Je vais te montrer, j'ai besoin d'un miroir. Bah tiens, utilise le pot. Le pot de crème. Et multifonction. Je l'utilise le ras-de-ci. Ça va nourrir les cils. Je vais brosser mes cils et mes sourcils aussi. Et ça m'aide en même temps à garder le produit que j'utilise pour mes sourcils. Ça peut fixer le maquillage qu'on peut mettre par la suite. Oui. Le dernier produit de la routine, c'est le Nutri Filler Lips. C'est un baume à lèvres qui est un peu huileux et qui va repulper les lèvres, donner plus d'éclat. Donc on peut l'utiliser aussi comme base avant le rouge à lèvres. Ça va donner un aspect repulpant. Je vous propose de passer au make-up. Les filles, surprise, ce qu'on va faire, c'est un blind make-up. Ah, je te fais pas confiance. Moi, donc là, je l'ai dit. C'est cool, c'est bon. Je vais essayer de deviner les produits. Je te donne les produits. Il y a qu'on devine. Tu peux pas prendre la vie. Non. Ferme les yeux. Ça, c'est ma joue. Il y a une nouvelle tendance. On applique l'anti-cerne sur les joues. Alors, ça donne quoi? C'est bon? Un peu le front. Attends, aussi. Le front. Qu'est-ce que ça donne, les filles? J'ai hâte de voir. Okay. Ça suffit, là. On reprend la même couleur. Si on. Ça aurait pas été filmé, j'aurais pris le risque. Je vais sourire un peu. Très jolie couleur d'ailleurs. On est dedans. Je vais voir déjà le résultat. Non, mais on le voit à ta tête. Ah, mon Dieu. Mais ça va.